Frissons. Ils sont les maîtres de vos nuits blanches. Jouent sur vos nerfs à force de rebondissements et suspense. Font monter l'angoisse aussi facilement que s'ils appuyaient sur le bouton volume d'un poste radio. Vous connaissez leurs livres, personnages, intrigues. Mais eux, les connaissez-vous? Voici quelques traits de leur vie et personnalité. Harlan Coben, inspiration touristique. Celui qui a vendu pas moins de 720 000 exemplaires du phénoménal policier Ne le dit à personne ne pensait pourtant pas devenir écrivain, à la différence de ses collègues d'études en sciences politiques, Mark Costello, David Foster Wallace et un certain Dan Brown. Toujours très ami avec ce dernier, il a été ainsi l'un des premiers à lire les aventures du héros du Da Vinci Code. À la fin de ses études, il travaille dans une agence de tourisme sur la côte espagnole, s'occupant d'un groupe de voyageurs américains qui lui donne envie d'écrire un livre sur leur comportement en vacances. Il prend le virus et se lance dans le roman policier avec un héros récurrent, Myron Bolitar. Depuis, ses lecteurs partent toujours en vacances avec l'un de ses polars. Frissons.